Bon, je crois qu'on pourrait commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? quand tu veux. OK. Alors, bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière rencontre du Forum 154 Crafting Worlds for a Vernacular Economy of Art qu'on a conçu au centre du 18 pour la foire 154. Qui aujourd'hui, sous le titre de Making and Unmaking Art Schools, tentera d'explorer et retracer à travers une approche tout d'abord historique les chemins complexes que les formes et les infrastructures d'apprentissage et de transmission et l'institution de l'école ont pris sur le continent africain, prenant les écoles d'art comme cas d'étude quelque part. Et avec un ancrage géographique qui se déploie entre l'Afrique de l'Ouest et l'Égypte en particulier. Alors, avant de commencer, je souhaite m'excuser avec ceux qui ont essayé de regarder le film de Sembene de Samba Gajigo déjà hier soir. On a eu des problèmes techniques qu'on est en train de résoudre. Donc, à travers nos réseaux sociaux, on vous recommuniquera sur quelle plateforme et à partir de quel moment le film sera disponible. Mais du coup, pour revenir au sujet en discussion aujourd'hui, qui d'ailleurs va résonner beaucoup avec la rencontre d'hier, je crois. Nous allons explorer la genèse et l'impact que l'introduction de la formation coloniale et occidentale a eu dans différents contextes du continent africain et la manière dont des artistes, des collectifs et des mouvements ont navigué et se sont démêlés dans ces sites et infrastructures dominantes pour par la suite interroger aussi la manière dont différents acteurs dans le passé comme aujourd'hui ont tenté de refaçonner ces infrastructures à partir en essayant quelque part de les refonder sur des processus de production de savoir et de transmission qui on pourrait définir vernaculaire et contextuel. Alors, avant d'introduire nos deux invités d'aujourd'hui, je souhaite souligner que ces sujets liés aux pédagogies, aux modalités de formation et de transmission au sein de l'art, mais aussi au-delà, sont au cœur de nos préoccupations au 18, tout comme le sont pour de nombreux projets et acteurs dont on est proche. Et là, je peux citer, juste pour rester au Maroc, le cas de la Fondation d'Art Bellage ici à Marrakech, qui travaille pour redonner une place dans l'agenda culturel et dans les pratiques artistiques contemporaines aux formes et instituts de production et de transmission de savoirs soi-disant populaires et vivants. Mais aussi, par exemple, l'espace culturel Mahal à Tanger, qui développe une recherche autour de pédagogie invisible, ou comme encore le projet en cours autour de l'école de Casablanca porté par Tinkart, ou ceux qui l'atelier de l'Observatoire a commencé à partir de 2015, c'est-à-dire un programme de formation qui s'appelle Madrasa. Et qui a été d'ailleurs le cadre qui m'a permis de rencontrer pour la première fois Aude et Nadine, que j'ai le grand plaisir de voir aujourd'hui comme intervenante de cette rencontre, et avec qui en 2016, on avait cofondé un collectif qui s'appelle Madrasa Collective, avec cinq autres curateurs, chercheurs et historiens d'art. Et dont le propos, quelque part, résonne avec la réflexion d'aujourd'hui, comme notre collective avait eu l'intention, entre autres, de se auto-former, ce qui s'est concrétisé surtout à travers un apprentissage plutôt collectif et aussi sur qu'est-ce que ça veut dire être collectif à travers la pratique, l'expérimentation, mais aussi la contamination réciproque. Si aujourd'hui on peut parler de Madrasa Collective probablement au passé ou comme un projet quelque part achevé, cette table ronde, comme d'autres formes d'échange et d'apprentissage qui se sont construites dans les temps entre les différents membres du collectif, relève, à mon sens, la richesse qui est des espaces tant collectifs et précaires ou des infrastructures soi-disant marginales, même au-delà du monde de l'art, sont capables de montrer, de proposer comme pour commencer à repenser des formes et des systèmes d'apprentissage et de transmission.
Alors maintenant, laissez-moi vous présenter nos intervenantes, qui d'ailleurs sont bien plus ancrées dans ces sujets que moi-même. Nadine Atallah est doctorante contractuelle à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans le laboratoire Invisu. Son travail porte sur l'importante contribution des femmes aux arts visuels modernes en Égypte, en relation avec le nationalisme et la politique nassérienne, tout en développant des stratégies d'écriture d'une histoire de l'art féministe. Nadine a curaté plusieurs expositions aussi d'art contemporain, dont In Conversation a Painting Show à l'Université américaine au Caire en 2019. Et au-delà des projets qu'elle a développés au sein de Madrasa, elle a aussi travaillé dans des galeries d'art à Paris et à Beyrouth. À son tour, Aude Kriessel-Mukba est une commissaire indépendante et historienne de l'art basée entre les Pays-Bas et le Cameroun. Elle a participé au programme curatorial de Apple entre 2018 et 2019. Et elle est co-commissaire de Sonsbeek 2020-2024, qui est une exposition internationale dans la ville de Arnhem, en Hollande, si je ne me trompe pas. Donc, merci beaucoup, Odenadine, pour avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais tout d'abord demander à chacune de vous de nous parler brièvement de vos parcours de recherche et de votre pratique, notamment par rapport aux questions d'éducation et de production de transmission des savoirs. Et peut-être, Nadine, on peut commencer par toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Francesca pour l'invitation. Comme tu le disais, je prépare actuellement ma thèse de doctorat qui porte sur les artistes femmes d'Égypte, donc plutôt de la période moderne, donc on fait un petit pas en arrière dans le temps par rapport à la focale contemporaine de 154. En Égypte, le récit, disons qu'on retrouve beaucoup, à la fois dans les historiographies égyptiennes, mais aussi dans les travaux qui ont été faits sur l'art moderne dans des universités en dehors, en Europe, aux États-Unis, c'est que l'art moderne commence à la date de 1908. On retrouve beaucoup la date de 1908 parce que c'est la fondation de l'école des beaux-arts du Caire. Donc il y a quelque chose qui se cristallise autour de l'ouverture d'une institution d'enseignement académique et le début de l'art moderne, comme si auparavant il n'y avait pas d'expression artistique moderne. Donc tout ça, évidemment, c'est une question qui reste ouverte, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en 1908, les beaux-arts sont uniquement ouverts pour les hommes. Et donc, travaillant sur les femmes, évidemment, j'ai été amenée à interroger complètement cette temporalité, puisque ça veut dire qu'on est face à une histoire de l'art qui est écrite au masculin, comme souvent au-delà de la zone égyptienne, évidemment. Donc, les femmes n'arrivent à l'école qu'à partir du début des années 1950. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre histoire, comme si, il y avait une histoire parallèle des femmes dans l'art moderne qui devait être écrite. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de questionner, de revenir sur cette histoire de l'enseignement artistique spécifique aux femmes. Entre-temps, c'est-à-dire avant les années 1950, il y avait quand même d'autres modes de transmission, d'enseignement de l'art, y compris des modes formels accessibles aux femmes, mais qui dépendaient essentiellement de leur capacité à séjourner à l'étranger, donc à aller se former dans des institutions européennes, ou à accéder à des ateliers privés, donc des ateliers d'artistes, et pour beaucoup des artistes européens qui étaient installés sur place. Donc il y a un filtre socio-économique très important qui triait les femmes qui étaient capables d'accéder à ce moment-là à la profession artistique, alors que les beaux-arts pour les hommes étaient gratuits. Donc il y a un déséquilibre aussi des profils socio-économiques des artistes hommes et femmes à cette époque-là qui est assez flagrant. Et donc, pour faire ce travail-là, pour revenir sur cette histoire de l'enseignement, je me suis posé la question de la documentation. Les archives existent pour ce qui est de la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire avant les années 50. Elles sont disponibles à Dar el-Wathaq, qui est l'Institut d'archives nationales au Caire, mais pour la partie post-révolutionnaire, c'est beaucoup plus difficile. Les écoles elles-mêmes disent ne pas avoir d'archives, c'est très compliqué d'accéder, ça dépend, c'est un peu
bref, des procédures très, très lourdes. Du coup, j'ai procédé par des biais, essentiellement par la presse, en dépouillant systématiquement des décennies de presse et aussi en travaillant sur les fiches d'inscription des artistes au syndicat des arts plastiques pour remonter jusqu'aux premières femmes diplômées des différentes institutions pour retracer cette chronologie. Voilà, en gros, après des entretiens, etc. Bon, merci. Hier, Samba, qui était un des intervenants de la table, voilà, qui est Nadir Boumouch, a modéré autour du cinéma d'Ahmed Bouanani et de Sembene. Voilà, Samba Gadjigo mentionnait la violente expropriation des langages et des grammaires locales que l'éducation coloniale a effectuée. Mais il parlait aussi beaucoup de l'absence de références et de ressources non occidentales dans les curricula d'enseignement et les impacts que cela a eu déjà sur son propre parcours. Et donc, Aude, dans nos échanges, on a évoqué quelque part des questions similaires, entre autres comment nos parcours personnels se sont façonnés à partir quelque part des manques, des constrictions ou des détours qu'on a voulu ou d'où prendre face à des infrastructures éducatives et des institutions pédagogiques qui restent beaucoup ancrées dans des épistémologies occidentales. Et donc, peux-tu nous expliquer un peu plus justement les axes de ton travail, en particulier comment ta propre formation t'a porté à te focaliser en particulier sur le sujet de ou des écoles et aussi des langues et des langages qui sont possibles ou d'où possibles au sein du monde de l'art? Merci Francisca. Avant de commencer, j'aimerais te remercier Leïla aussi, bien sûr toute l'équipe de 154 pour cette invitation. En effet, la question de la formation et de l'enseignement est quelque chose qui est venu depuis mon parcours personnel. Tu l'as souligné, j'ai un background en histoire de l'art, mais avant ça, je suis passée par une école de peinture, enfin une école qui un institut de formation artistique qui forme d'ailleurs qui offre une formation d'enseignement secondaire dans différentes disciplines telles que la peinture, la sculpture et la céramique. Et donc, j'y suis allée et c'est tout un parcours et une formation d'artiste, de technicien en peinture, en sculpture, en céramique. Et moi, je faisais partie de la section peinture. Et tout au long de mon parcours, regardant les programmes qui nous ont été offerts, les sources d'inspiration, les références en art-histoire qui nous étaient comme ça transmises, j'ai été curieuse de savoir pourquoi est-ce que, par exemple, quand on parle de l'histoire de l'art, il n'y a pas d'intersection entre les différentes géographies, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'art, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est de la préhistoire, je ne sais pas moi, de la période aurignacienne qu'on nous présentait comme étant la période de la naissance de l'art, en évoquant par exemple les grandes civilisations, l'Égypte étant aussi entendue comme étant grande civilisation occidentale, étant présentée ainsi, en passant par la Rome, la Grèce et revenant maintenant à cet âge moderne où on est encore dans la Renaissance, le Manier. Bref, tout se passe à l'Occident. Et donc, je termine un parcours ainsi sans pour autant, avec l'idée que l'art n'existe pas en Afrique, quoi. Si je voudrais étudier l'art, il faudrait que je m'inspire des auteurs occidentaux. Ce qui est différent quand j'arrive à l'université, parce que le département des arts, d'histoire et des arts plastiques, l'histoire de l'art et des arts plastiques, à Yaoundé, au Cameroun, a été fondé par des anthropologues qui s'intéressaient à l'histoire, à l'anthropologie africaine, ce qui fait que cet aspect-là a beaucoup influencé la manière avec laquelle l'histoire de l'art était déjà transmise. Donc, il y avait un focus très intéressant à découvrir les différentes cultures pré-coloniales en Afrique, les différents styles et les différents corpus que ces différentes tribus ou cultures offraient en termes de production artistique.
Et c'était le choc pour moi de dire, waouh, c'est tellement riche, mais pourquoi dans les livres, c'est pas inclus? Pourquoi, par exemple, quand j'étais à l'IFA, à l'Institut de formation artistique, c'était pas, ça reste quelque chose de qu'on définit comme étant traditionnel, qui ne fait même pas partie des conversations dans l'art contemporain et qui reste tabou, quoi, et qui a toujours un mauvais regard du côté de la façon moderne de regarder l'art. Donc, c'est un peu comme ça que je commence à m'intéresser à la question de l'éducation et me considérant aussi comme quelqu'un qui doit se former. Je me retrouve à Madrassa, qui me donne une autre perspective, mais alors plus professionnelle sur la question du travail de curateur et même aussi de l'intérêt de s'intéresser aux problèmes qu'on peut rencontrer contextuellement, même la question de la formation se pose. Donc voilà un peu comment est-ce que la question de la formation s'est imposée à moi. Et là, je viens de terminer. Bon, c'est encore une recherche en cours. My learning is affected by the condition of my life, qui est une recherche par laquelle j'ai aussi découvert beaucoup de choses. Bah, j'aimerais justement partir un peu de ce projet dont tu parles, oh, de My Learning is Affected by the Condition of My Life, et en particulier la recherche historique qui t'a développée, dont d'ailleurs on retrouve aussi un article qui t'a publié récemment sur le site de Studium Generale. Je vais le. Laisser le lien dans la chat pour ceux qui veulent regarder. Mais j'aimerais justement te demander un peu si tu peux esquisser une généalogie quelque part et des manifestations physiques des formes de production et de transmission des savoirs précoloniaux dans le contexte qui t'a étudié plus spécifiquement, d'une part, mais aussi comment tu lis l'impact que la création de l'école en tant qu'institution occidentale et coloniale a eu, entre autres, sur la création même d'une idée ou une notion de l'art et de l'artiste voilà, au Cameroun et en Afrique de l'Ouest plus globalement. En fait, l'invitation à travailler sur My learning is affected by the condition of my life, c'était à travers une invitation par Studium Generale, qui est un hub qui existe ici aux Pays-Bas dans la majorité, je crois, des universités en art. Bon, c'est ce hub-là qui accueille des événements artistiques organisés qui permettent de faire le lien entre la scène artistique professionnelle et les étudiants. Donc, j'ai aussi cette invitation de Yoke Akuma, qui est la directrice de Studium Generale à Arnhem, à répondre à l'une des studies sur lesquelles ils sont en train de travailler actuellement. Et j'ai été intéressée particulièrement à cette question du futur des écoles d'art. Et pour moi, l'intérêt, c'était de me demander, moi, qu'est-ce que ça signifie de penser un futur de l'école d'art, étant donné que l'école d'art présente a encore beaucoup de... Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de critiques qu'on peut, par exemple, recenser sur la manière, les formes d'éducation, sur les disciplines et comment est-ce que ces dernières sont organisées. Donc, j'ai commencé à me poser la question déjà, l'école, qu'est-ce que ça signifie pour moi quand on dit école? Est-ce que c'est l'idée de l'école, comme quand je me rappelle au Moyen-Âge, on nous disait qu'il y a eu cette idée folle d'inventer l'école Charlemagne, qu'on présentait comme étant l'inventeur de l'école. Mais est-ce qu'en Afrique, avant possible Charlemagne, il n'existait pas des moyens et des structures de transmission, et même si on peut étendre cela à l'art. Et donc, j'ai fait des lectures et des recherches en m'intéressant à des personnes qui auraient, par exemple, écrit sur la question sur l'école précoloniale et quelles sont les formes d'enseignement et de transmission qui existaient déjà avant. Mais je veux dire, l'idée de la recherche n'était pas de faire forcément un recensement ou une généalogie de toutes ces différentes formes, mais c'était plus de trouver des éléments qui m'intéresseraient
à remettre sur la table qui serait intéressant à repenser pour penser un futur de l'école d'art. C'est par exemple cet aspect communautaire, collectif, la création artistique qui existait dans plusieurs sociétés africaines. Je peux prendre un exemple qui était cité par Dr. Chande, qui est l'une des personnes que j'ai invitées à répondre à cette recherche-là, qui cite par exemple l'expérience du Shumam, qui est une écriture qui existe dans le pays Bamoun, les peuples Bamoun au Cameroun, qui est toute une grande culture, une grande tribu dans le nord-ouest du Cameroun, et qui était cette écriture qui était instituée par le chef sultan Ibrahim Bombo Djoya. Donc, il évoque, Dr. Chande évoque par exemple différents aspects collaboratifs de l'écriture, même du shomo. Par exemple, cette écriture qui était donnée, que le sultan raconte avoir été donnée en rêve. Donc, il y a déjà ce rapport entre l'immatériel, le spirituel, même dans la création artistique. Donc, qui était donnée en rêve, ça c'est le premier acte de collaboration qu'il évoque. Et puis, deuxième acte de collaboration, c'est que quand le sultan se réveille, il appelle des devins à se joindre à lui pour instituer un protocole de vision et d'établissement ou d'institutionnalisation de cette écriture-là. Et après ça, il y a un troisième acte où il appelle d'autres personnes et jusqu'à ce que toute la communauté se joindra à la création de cette écriture qui comporte des symboles visuels qui permettent aussi qui fonctionnent aussi en termes d'archives. Donc voilà un peu des exemples qui m'intéressent à recenser cet aspect communautaire, mais aussi de noter, par exemple, l'impact de l'école occidentale, pas seulement l'école d'art, mais l'école occidentale dans la négation de la des cultures, même précoloniales, de la destruction ou la disparition de ces différentes formes de transmission ou les espaces de transmission. J'évoque, par exemple, la question des langues qui disparaissent avec la venue des écoles. Mon papa me raconte, par exemple, quand très jeune, au moment où l'école arrive, l'école coloniale arrive, ils sont interdits, par exemple, de s'exprimer en langue à l'école, sinon ils sont battus. Donc, la langue étant ce passage qui permet, cet outil qui permet la transmission des vieux aux jeunes, crée déjà quelque part un déséquilibre et même l'arrêt de tous les archives, de toute la mémoire, des savoirs qui devaient être transmis de génération en génération. Je parle aussi, par exemple, du fait que l'école coloniale participe à un décloisonnement très franc entre les disciplines artistiques. Moi, si je me rappelle, comment est-ce que nos grands-parents, ou quand on allait à la rencontre de nos grands-parents, comment est-ce que la transmission se passait? Ou quand on regarde ces différentes formes, on se rend compte que la musique, la peinture, la sculpture étaient des formes qui venaient ensemble. Donc les sociétés locales avaient une vision plus holistique du monde et moins telle qu'actuellement très décloisonnée, cette séparation très franche entre les disciplines. On a vraiment une vision transdisciplinaire de la vie à ce moment-là. La transmission permettait de former des hommes, des êtres humains complets, si on peut dire ça comme ça. Pas des êtres humains, je me présente en tant qu'historienne ou peintre ou sculpture, mais les gens pouvaient naviguer entre les différentes pratiques artistiques. Donc, j'évoque aussi, par exemple, sur la question de la langue, quand je demande à mon papa comment est-ce qu'on dit musique en ta langue, qu'ils me disent musique. Je lui demande, mais attends, mais c'est complètement c'est anglais, ça, musique, musique. De lui de dire, en fait, il n'y a pas de mot qui dit musique en ma langue. Il y a des mots qui traduisent des espaces sociaux ou des choses qui se passent. Et ces mots donnent aussi une information très précise sur les instruments de musique qui sont utilisés, les chorégraphies exactes qui sont exécutées, les performances et même les costumes qui doivent être portés dans ce type d'espace. Donc voilà un peu ce que j'essaie d'évoquer
dans la recherche, my learning is affected by the condition of my life. Je peux aller, je peux continuer, mais voilà. Non, mais on va y revenir dans pas longtemps, mais entre-temps, je voulais poser une autre question à Nadine, parce que tes recherches se focalisent surtout sur l'art et la période disons, moderne, comme tu disais tout à l'heure, et surtout la manière dont l'introduction des écoles de beaux-arts en Égypte a dicté déjà les temporalités de cet art moderne, mais a marqué aussi les conditions d'accès, de reconnaissance, les parcours individuels qui se sont faits dans ces infrastructures. D'ailleurs, il me semblait dans nos échanges précédents que tu questionnes aussi quelque part la définition de l'école des beaux-arts en Égypte, en tout cas comme institution coloniale. Donc, je voulais te demander si tu pourrais parler un peu plus en détail et aussi partager de comment, le par qui et de pourquoi elle a été créée. Et aussi, petit à petit, comment elle a été refondée, surtout avec la période des indépendances. Oui, alors l'école des Beaux-Arts, est-ce que c'est une institution coloniale? C'est une question qui est un petit peu compliquée. Ce qui est sûr, c'est que la notion même de Beaux-Arts est une notion européenne qui est adoptée en tant que telle dans les écoles dites des Beaux-Arts. En Égypte, le projet de la fondation de cette école n'est pas strictement un projet colonial. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il est initié à la base, il est voulu par Youssef Kemal, qui est un prince de la famille Khedivial, qui va financer le projet et confier la direction du projet et ensuite la direction de l'établissement à un sculpteur français, Guillaume Laplagne. Donc, pour situer au début du XXe siècle, l'Égypte est un millefeuille colonial, si je puis m'exprimer comme ça, avec une présence ottomane qui dure déjà depuis longtemps, avec une présence française, avec une présence italienne et avec une administration donc britannique. La première équipe qui dirige l'école et les premiers professeurs sont des Européens et les étudiants sont des Égyptiens. Mais dès le départ, il y a quand même un projet d'apprendre à ces étudiants à produire un art qui est une essence, une capacité d'exprimer l'identité égyptienne. Donc, on apprend, disons, les techniques, les modes d'expression des beaux-arts à l'occidental. Ce sont des outils qui sont donnés la peinture de chevalet, la peinture d'après modèle vivant nu, etc. Mais dans l'idée que les artistes égyptiens peignent l'Égypte. Donc il y a un travail d'une collègue, Nadia Radouane, qui porte sur ces questions-là et qui montre aussi en même temps comment il y a une hybridation avec les arts appliqués, comment en fait l'émergence des expressions artistiques modernes en art plastique en Égypte ne sont pas uniquement un réemprunt, une assimilation, une appropriation des beaux-arts européens, mais empruntent aussi à des traditions d'art appliqué pour le coup qui viennent de savoir-faire vernaculaire. Donc le premier directeur égyptien de l'école arrive en 1937 seulement, donc presque 30 ans après l'ouverture, c'est le peintre Mohamed Nagy. Et peut-être en contrepoint, je peux revenir sur l'histoire donc des femmes là-dedans, qui à la même époque, en fait, dès les années, même avant, dès les années 20, s'organisent par le biais des associations féministes et notamment d'une militante très célèbre qui s'appelle Hoda Shaarawy, qui est une mécène aussi, qui ouvre dès les années 1920 des écoles destinées à enseigner des formes de pratiques artistiques aux femmes, mais pour le coup dans un champ plus artisanal. Il y a notamment l'ouvroir de l'Union féministe égyptienne, où on donne l'occasion à des femmes des classes populaires d'apprendre des métiers manuels, en fait, qui proches de pratiques artistiques, mais c'est plutôt pour subvenir à un besoin de rémunération. Mais les féministes de l'Union féministe égyptienne mènent en même temps une campagne pour demander l'admission des femmes à l'école des beaux-arts. Donc elles présentent plusieurs demandes et en 1930,
c'est accepté sur le principe. Après, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est quand même capable d'admettre l'idée, mais le ministre qui donne son accord est démis de ses fonctions pour d'autres raisons et la demande tombe aux oubliettes. Donc, il se passe encore plusieurs années, jusqu'en 1938, pour que la demande soit enfin aboutisse enfin. Alors, les arguments des féministes, il faut les mettre dans le cadre de l'époque, c'est-à-dire que l'Égypte est en pleine lutte de décolonisation. C'est un maillon, si vous voulez, l'admission des femmes à l'École des Beaux-Arts, c'est un maillon de toute une campagne qui vise à améliorer les conditions d'enseignement des femmes en Égypte à cette époque-là, avec un argument principal qui est celui que éduquer les femmes, c'est un enjeu de l'émancipation nationale. Donc ça, c'est un argument récurrent parmi les intellectuels de la Nahda, la Renaissance arabe, et notamment la rhétorique de Amin, qui est un juriste qu'on considère comme une des premières voix féministes en Égypte, qui explique que par l'éducation et l'émancipation des femmes, on peut aboutir à une notion à une nation dont tous les individus seraient émancipés, capables de penser par eux-mêmes et d'œuvrer dans le but commun de la construction d'un nouveau pays émancipé. La lutte de la décolonisation joue vraiment un rôle central dans cette demande d'accès aux institutions d'éducation. Et dès les années 1930, les universités petit à petit s'ouvrent aux femmes. C'est finalement suite à un discours de 1938 de Sézanne Abaraoui, qui est une des féministes donc, de l'Union féministe égyptienne, que la demande aboutit. Et dans son discours, donc, elle plaide notamment la mission pacificatrice des arts et en même temps la pratique des arts par les femmes comme un moyen d'agrémenter le foyer, etc. Donc elle recourt finalement aussi à des arguments un peu stéréotypes des femmes artistes, décoratrices, etc. Donc en 1939, le premier institut qui ouvre avant l'admission aux Beaux-Arts, donc je disais ça aboutit en 1938, ça aboutit pas sur l'admission aux Beaux-Arts, ça aboutit sur le développement d'un institut spécifique pour les femmes pour apprendre les Beaux-Arts qui s'appelle Emar Adelaï et Lefnoun et Gamel al-Banet, l'Elmoa-Lemet, on trouve les deux termes. En fait, ça veut dire littéralement c'est l'Institut pédagogique des Beaux-Arts pour jeunes filles. Au départ, c'était pour former des professeurs de dessin. Donc, on a un décalage encore, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les femmes peuvent apprendre des arts appliqués ou devenir professeurs de dessin. Et par contre, la différence majeure avec les Beaux-Arts, c'est que là, c'est une initiative gouvernementale et que l'ensemble de l'équipe pédagogique, profs, directrices, sont des Égyptiennes, mais des Égyptiennes qui sont formées en Angleterre avec des bourses égyptiennes. Et en fait, elles sont formées dans l'objectif de remplacer les professeurs de dessin qui existaient notamment dans les écoles primaires et secondaires, qui étaient des Britanniques, des femmes britanniques. Donc, dès le début, si vous voulez, l'enseignement institutionnel des arts aux femmes en Égypte, c'est un enseignement égyptien gouvernemental. Et donc ça crée aussi une différence avec le parcours des hommes dans cette institution des Beaux-Arts. Et évidemment, cet institut fait partie d'un processus d'égyptianisation des instituts de formation dans cette perspective donc de la décolonisation. Et à l'intérieur de l'Institut, les directrices, les professeurs opèrent un certain nombre de modifications des méthodes d'enseignement. Il faut savoir qu'auparavant, on privilégiait des façons de faire qui étaient celles qu'on utilisait aussi pour les enfants à l'école, c'est-à-dire qu'on enseignait l'art de la même façon aux enfants et aux femmes. Là, on ne parle pas du tout de cours de nu ou de dessin d'après modèle. C'était des agrandissements de cartes postales. C'était une technique qui visait... on avait un schéma sur une grille et on fait toujours ça pour les enfants d'ailleurs, et on devait reproduire exactement à l'identique avec la grille chaque morceau du schéma. Et en fait, les professeurs de l'Institut vont petit à petit complètement rejeter ces méthodes-là pour favoriser l'expression libre et donc le développement d'une pratique artistique comme une pratique professionnelle et d'expression personnelle, et pas seulement comme une pratique d'agrément qui fait partie de la formation de toute bonne femme au foyer d'une certaine société.
Finalement, en 1951-52, sur cette année-là, les femmes sont admises aux Beaux-Arts et donc la première promotion, ce sont les élèves de l'Institut pédagogique qui sont transférés aux Beaux-Arts à travers un concours pour intégrer une formation mixte avec tous les avantages, parce qu'il faut aussi s'interroger sur les avantages de la mixité. Pourquoi est-ce si important d'avoir une mixité? Évidemment pour la qualité de l'enseignement, mais aussi pour tout ce que ça peut apporter en termes de sociabilité, d'émulation, de réseau au sens de rencontrer des personnes qui vont ouvrir des opportunités d'exposer, de faire connaître son travail, de le vendre. Bien sûr, l'enjeu majeur, c'est le cours de nu. C'était aussi la raison pour laquelle les femmes ont été tenues à l'écart de l'École des Beaux-Arts longtemps, c'est que pour des raisons morales, on considérait qu'il ne fallait pas qu'elles s'assiedent dans une même pièce avec des hommes face à un modèle nu. Et d'ailleurs, ça, c'est l'argument qui a tenu les femmes loin de l'École des Beaux-Arts dans de nombreux pays. Voilà, sur ce décalage qu'on a par rapport à l'histoire coloniale entre l'enseignement pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, dans ce que tu as commencé à raconter, mais aussi à partir d'un peu des échanges qu'on avait eu précédemment, je vous disais qu'il y a un aspect général qui je trouve justement très intéressant dans vos recherches, c'est la relation complexe qui est entretenue par des mouvements, mais aussi des parcours et des acteurs et des actrices des indépendances avec les infrastructures héritées par le colonialisme. Et cela me fait penser au titre du projet de Yasmina Regad, qui d'ailleurs était sur ce forum il y a quelques jours, « We dreamt of utopia and we woke up screaming », dans le sens où, comment elle le fait pour l'infrastructure de la radio, vous vous êtes toutes les deux focalisées sur la manière dont les écoles d'art en particulier, ont été reprises et adaptées quelque part comme des leviers poétiques pour des nouveaux objectifs politiques lors des indépendances. C'est qu'au niveau étatique, s'agissait, était un projet évidemment indépendantiste, mais souvent moderniste et évidemment nationaliste aussi, qu'on pourrait peut-être quelque part définir comme échoué, entre autres parce qu'il a fini par reproduire des mécanismes proches à ceux des systèmes éducatifs coloniaux. Et en même temps, c'est à partir de ces années des indépendances qu'il y a des nouveaux champs de possibles qui se sont ouverts à la fois dans, mais aussi en dehors des infrastructures et des sites de production des savoirs qui étaient établis. Et donc, je pense que c'est intéressant justement de problématiser un peu et d'explorer différentes expériences et cheminements qui vous avez étudiés. Et donc, je voulais toujours reprendre à partir de Nadine, peut-être tu pourrais nous raconter un tout petit peu quelques parcours spécifiques de femmes artistes et peintres qui a navigué le système, surtout institutionnel, des écoles des Beaux-Arts et les espaces d'émancipation et ou détournement qu'elles ont pu ou pas trouver et construire là-dedans. Je peux prendre un exemple d'une artiste qui fait partie des artistes les plus célèbres de la modernité égyptienne, qui s'appelle Inge Aflatun, qui était connue pour être aussi une militante féministe et communiste. Donc, elle fait partie des premières femmes à entrer à l'université publique égyptienne. Si je me rappelle bien, elle rentre à l'université de lettres. Et donc, c'est une femme qui vient de l'aristocratie turco-circassienne. Donc, c'était quand même un geste assez rare de voir des femmes de l'aristocratie entrer à l'université publique gouvernementale. Donc elle est formée par ailleurs à l'art auprès de tuteurs privés. Donc c'est ce que j'expliquais en tout début. Elle est née en 1924, hein, pour situer. Donc elle fait partie de la génération en fait qui voit arriver l'institut et ensuite l'admission aux Beaux-Arts, mais qui commence sa formation avant.
Donc, elle passe par des tuteurs privés. Quand elle est adolescente, elle a un professeur qui vient à la maison, un peintre surréaliste célèbre. On lui offre l'opportunité, sa famille lui propose d'aller d'intégrer une école d'art à Paris. Ils vont souvent en France, mais elle refuse. Elle refuse par conviction nationaliste. Pour elle, c'est important de rester dans les institutions locales. Et donc, elle continue sa formation avec ensuite d'autres ateliers privés, notamment la peintresse suisse installée en Égypte, Margot Veillon. Elle se forme auprès de Hamed Abdallah et Tahaya Halim, qui sont un couple de peintres avec un atelier privé. Et finalement, quand les beaux-arts deviennent mixtes, alors elle n'intègre pas à proprement parler le réseau, enfin le circuit, le cursus principal, mais elle intègre les cours du soir, donc ce qu'on appelle la section libre. Et donc là encore, cette section libre, elle était censée permettre à tout le monde, et en particulier les personnes qui ont un travail, notamment un travail alimentaire en journée, de pouvoir suivre des cours du soir. Et donc elle a un travail en journée qui est un travail politique, effectivement. Mais du coup, elle se trouve dans une classe qui est extrêmement variée socialement et aussi culturellement. Donc la presse décrit ces cours du soir comme une sorte de réunion des Nations Unies, tellement on y trouve des nationalités absolument variés. Et donc voilà pour un parcours, si vous voulez, exemplaire de la façon dont les femmes ont pu naviguer avant l'ouverture des Beaux-Arts. Ensuite, même une fois que les Beaux-Arts étaient ouverts, c'était pas, disons, très simple. Je peux donner un exemple d'une des premières femmes qui a été diplômée de peinture, qui s'appelle Qadriya Hossein. Elle, c'est une peintresse qui est complètement inconnue. En fait, j'ai trouvé absolument aucune information sur elle, à part une série d'articles dans la presse qui montrent quand même un certain intérêt pour son histoire. Donc, elle a présenté pour la première fois son diplôme en 1953. Donc, elle fait partie de ces femmes qui étaient transférées de l'Institut vers les Beaux-Arts. Et pour son diplôme, elle a travaillé dans un hôpital psychiatrique. Donc, il faut imaginer cette jeune femme qui va dans un hôpital de la banlieue du Caire avec son matériel de peinture, et elle a fait une série de tableaux de patients de l'hôpital psychiatrique, et donc ils sont décrits. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'images. J'aimerais beaucoup retrouver des images de ces tableaux, peut-être un jour. Elle a peint donc des personnes échevelées dans des postures pas possibles, avec des seins saillants, des jambes, etc. Et donc elle a été censurée par le jury du diplôme, et on lui a refusé son diplôme pour des raisons morales, en lui disant que son travail respectait pas la tradition. Et donc, elle a dû retravailler, et elle a représenté son diplôme l'année suivante en ayant camouflé les parties du corps qui dérangeaient. Donc, et finalement, elle a été diplômée. Mais ce qui est assez amusant ou tragique, c'est que la même année, en 1953, un de ses collègues qui s'appelle Sabri Rar, qui par ailleurs va faire une carrière, c'est un homme, hein, qui va faire une carrière de portraitiste assez reconnu en Égypte, présente en 1953 aussi un portrait, un projet qui s'appelle Banat el-Layl, c'est-à-dire les filles de la nuit, qui sont une série de tableau de prostituée. Et donc lui n'a absolument aucun problème, il est acclamé et il reçoit son diplôme sans problème. Donc il y a quand même aussi une évolution à deux vitesses au sein de cette institution, y compris après l'admission des femmes. Merci pour ces histoires très intéressantes. Là, je voulais plutôt demander à Aude, dans tes recherches, tu parcours à la fois des projets qui sont effectivement nés lors des indépendances et qui me semblent quelque part plus ancrés dans un processus de réforme ou d'ajustement des formes coloniales et occidentales qui venaient d'être héritées. Mais tu as quand même aussi creusé dans des projets, d'ailleurs surtout collectifs, comme tu évoquais au début, qui ont tenté de traduire ou réactiver le fonctionnement de formes et des espaces de production et de transmission des savoirs précoloniaux, souvent fondés sur des principes de notions de commun ou de communautaire. Et donc, je voulais te proposer ou demander de nous partager quelques exemples des deux cas nous partager aussi tes réflexions et évaluations sur ces différentes formes
et des effets qu'ils ont. Merci. En fait, il y a une tension qui existe entre, disons, l'école d'art dans la vision qu'on peut avoir aujourd'hui et le contexte même social, politique du continent, de l'Afrique, je parle de l'Afrique de l'Ouest et de la plupart des pays qui ont des espaces qui ont subi la colonisation. Donc, il y a cette tension qui existe et la majorité, je ne sais pas pourquoi, je suis encore curieuse de savoir, je fais des recherches dessus, mais la majorité des écoles officielles se créent dans les années 1950. Par exemple, au Nigeria, le premier college, Nigerian College of Art, est introduit en 1952 dans le cadre de revendications des étudiants réclamant d'avoir cette branche à l'université. Et par exemple, au Sénégal, on parle des années 1948, de l'école du Conservatoire de musique et d'art dramatique, qui sont des écoles qui sont plus... qui est une école de musique, en formation de musique et de danse, qui est plus un projet pas forcément local, donc qui a été créé par un avocat nommé Paul Richesse en 1948. Mais après quelques années, le président Senghor revient et fait toute une réforme en 1960 et crée l'École nationale des arts du Sénégal. Ça, c'est après la rupture entre le Mali et Bamako. Dans le cadre, je prends notre exemple au Congo, la première école, la première académie Congo-Zaïre, la première académie instituée en 1943 sous le régime de Mobutu, qui inclut des cours en céramique, en sculpture, en peinture et en décoration, aussi dans la publicité et tout ça. Mais dans cet environnement des écoles plus institutionnelles, souvent initiées par l'État ou par des personnes étrangères, il y a des formes plus informelles qui sont aussi instituées par des personnes locales, des artistes qui pratiquent déjà ou qui sont des étudiants dans ces universités, ou encore des étrangers, comme dans le cadre de l'école de peinture Potopoto, qui est souvent présentée comme la première école de peinture en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui est située par Pierre Lhôte, un Français, un soldat, aussi amateur en peinture, qui recrute des Congolais à travailler chez lui dans sa maison et qui supposément rentre chez lui et trouve un de ses employés en train de peindre. Et c'est comme ça que lui vient l'idée d'instituer une école qui aidera les Congolais de la place qui étaient intéressés à faire de la peinture sur chevalet à pouvoir s'exprimer et à dessiner ou à représenter l'Afrique telle que leurs yeux. Mais on sait tous qu'en regardant ces peintures, il y a encore une influence de l'Afrique telle que les yeux, ce qui est attendu en fait à représenter. Dans le cadre des revendications qui se forment de façon organique dans l'opposition de l'école occidentale, dans l'opposition du maître européen. Quand je dis au maître européen, c'est de parler de tous ces artistes de l'art moderne qui sont souvent enseignés à l'école. Dans le cadre au Nigeria, il y a un groupe d'étudiants qui décide de former une sorte de collectif pour contrecarrer, pour chasser en fait, pas pour chasser forcément radicalement, mais pour introduire aussi la vie locale, la manière de voir et la manière de pratiquer l'art local. Par exemple, le 6 octobre 1958, Uche Okeke, avec Simon Okeke et Demas Nwoko, qui sont des étudiants à cette école qui était instituée en 1952, qui décident de se mettre ensemble pour former la société nigériane de l'art. Et donc, ils vont mettre en place tout un programme
informelle autour de ce qu'ils vont appeler la natural synthesis, qui sera plus une notion de réconciliation entre la pratique artistique traditionnelle africaine et la pratique de l'art occidental. Une reconstruction avec le modernisme postcolonial a proposé de différentes formes d'art. Dans le cadre du Cameroun, dans les années 1980, on a l'exemple du cercle Meduta, qui est créé par un artiste qui est présenté comme étant le père ou, disons quoi, l'initiateur, l'un des pionniers de l'art contemporain au Cameroun, de l'art moderne, Coco Comenieux, qui met en place un cercle d'artistes qui inclut Viking Kanganyan, qui est décédé il y a, je crois, 2 semaines, Jean-Guy Atakwa et Samuel Abele, qui sont des artistes qui décident de se mettre ensemble et de former différentes associations sous, ils vont appeler l'école libérale de l'art, où en fait tout est centré sur le sharing, le caring, la solidarité. C'est pas seulement la pratique artistique, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se soutient existant en tant qu'artiste dans le contexte postcolonial qui est encore très très jeune. Par exemple, au Sénégal, on a l'exemple du laboratoire Agitat, qui est formé en 1974 par Issa Samb et des artistes, et un groupe d'artistes, d'écrivains, de réalisateurs, de performeurs et d'artistes qui est un groupe qui veut transformer la nature artistique et veut un peu se détacher de l'art central, très, très formaliste, centré sur l'objet, mais d'aller au-delà de ça, d'aller vers l'expérimentation, l'agitation, de se séparer de l'art comme étant produit, mais aussi d'expérimenter l'éphéméralité, la performance et tout ça. Donc voilà un peu des formes, qui je parle pas des collectifs aussi, qui se forment au Cameroun, au Sénégal, des formes de contestation de ces différentes institutions très coloniales de la pratique artistique qui se forment. Voilà. Ah, merci, c'est très dense. Je sais qu'il y aurait beaucoup de dire sur énormément de projets spécifiques qui t'a étudié un peu plus en détail. Comme on arrive vers la fin, on a encore un peu de temps quand même. Je voulais d'une part inviter ou voir s'il y a des commentaires, des questions de ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à écrire dans la chat si vous avez des remarques ou des questions spécifiques à poser à Nadine et Aude. D'ailleurs, j'essaie de lire. Donc, il y a Joshua qui nous dit, je vais vous lire en anglais. Thank you for this thought-provoking presentations. A question for Nadine. I've read that the Egyptian avant-garde in the 40s were becoming wary of the structures of nationalist frameworks for art making, which I understand were historically associated with the Nada paradigm and the Ecole des Beaux-Arts in Cairo. Did these concerns about nationalism in art temporarily dissolve during the Nasser period, or how did women artists navigate these debates? I imagine some women artists may have felt caught between belonging in the national community fostered by the state, and on the other hand, belonging to a progressive art community fostered by the avant-garde. Thank you, Josh, for this question. Je vais répondre en français parce que je sais qu'il y a une interprétation. En fait, je pense que les avant-gardes dont tu parles, c'est spécifiquement le groupe Art et Liberté, qui est un groupe qui est rattaché au surréalisme à l'international, et qui effectivement se révolte contre cette tendance nationaliste dans les arts modernes en Égypte, et notamment au Salon du Caire, qui est le salon organisé annuellement par la Société des Amis de l'Art, qui fait un peu office de salon de l'Académie. Enfin, ce serait un équivalent si on veut comparer avec les structures européennes, pour dire
c'est un art quand même soutenu par les élites et par le pouvoir en place. Mais cette tendance nationaliste, en fait, elle se dissout pas du tout pendant le nazisme. Au contraire, à partir de donc la révolution 1952 et plus particulièrement de 56 avec l'arrivée de Nasser comme président, et 58, la constitution du ministère de la Culture, le régime met vraiment la main sur toutes les formes d'expression. Alors, la presse est nationalisée, les artistes sont recrutés pour travailler au service de l'État, notamment à travers des bourses de production qui leur permettent de s'affranchir des... En fait, ce sont des bourses, c'est comme un salaire sur un an ou plusieurs années qui leur permettent de s'affranchir des impératifs économiques et de travailler librement. Des missions de voyage, notamment au Égypte, pour documenter la Nubie au moment où on crée le haut barrage à Aswan et les terres nubiennes sont inondées. Des missions pour aussi promouvoir la construction du barrage comme un grand progrès technique qui va apporter l'électricité, réguler l'eau, etc. sur le territoire. Donc il y a vraiment une campagne de propagande qui est menée par l'État, mais ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement considérer que tout art produit en Égypte à cette période est un art nationaliste. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est des parcours individuels. Les femmes, comme les hommes, ont bénéficié de ces bourses dont je parle. Elles ont été sollicitées dans les différentes missions, mais chacune, dans son travail, montre des intérêts particuliers. Donc, par exemple, un Fat Nagy, qui est parti peindre le haut barrage, on ne peut pas parler d'art de propagande quand on voit les tableaux. Il y a clairement une réflexion sur la machine, il y a un travail aussi sur la forme réduite pratiquement à l'abstraction. Donc ça, tout ça, tous ces enjeux esthétiques, les problématiques qui intéressent individuellement chaque artiste permettent de compliquer l'interprétation de leurs travaux, et à mon sens ce serait beaucoup trop simpliste que de considérer que les artistes, parce qu'ils sont dans un contexte dictatorial où tout est contrôlé, sont nécessairement des artistes d'État, des artistes officiels, des artistes nationalistes. Après, la plupart des artistes, les intellectuels des milieux de gauche, etc., y compris malgré les persécutions qui arrivent pendant le nazisme, sont de fervents partisans du nationalisme comme pendant, si vous voulez, comme corollaire à la décolonisation. Ça, c'est quelque chose de vrai. Donc, il peut y avoir une adhésion intime politique au nationalisme comme moteur de la décolonisation, et en même temps des modes de résistance qui se mettent en place pour ne pas devenir un artiste ou une artiste d'État. Mais ça demande vraiment de regarder des cas particuliers. Et j'aurais plein d'exemples, mais c'est peut-être pas le cœur de notre échange aujourd'hui. Ça sera une suite potentiellement, on espère en tout cas. Mais alors, il y a Dominique qui demande si vous pouvez toucher un mot sur, par rapport aux différents contextes que vous avez étudiés, est-ce que l'éducation du design a suivi ou pas le même parcours par rapport à l'éducation artistique au niveau historique? Est-ce que vous avez... quelques notions de parcours de l'institution et de l'éducation du design vis-à-vis de l'éducation artistique. Dans le cadre de ma recherche, je ne me suis pas intéressée à une discipline particulière, le design, je ne pense pas. Mais en fait, si je dois me référer à comment est-ce que la pratique du design, en fait, est pratiquée par des artistes de la scène artistique dans les années 70 et 80, je dirais que le design a été pour la plupart la première forme, pas design en tant que conçu aujourd'hui, mais elle a commencé avec des éléments comme en utilisant la peinture publicitaire. Ça a été la première pratique par laquelle les artistes sont en général passés pour aussi pouvoir se faire des sous, pouvoir
se faire de l'argent pour vivre, mais j'ai pas axé ma recherche dessus. Peut-être ce serait l'occasion de le faire. De mon côté, c'est pareil, j'ai trop peu d'éléments pour répondre sur le design, mais il faut savoir qu'à l'École des Beaux-Arts, il y a une section qui s'appelle décor, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, où notamment on forme à l'architecture d'intérieur, au design d'objets et design graphique. Il y a un certain nombre d'artistes. Je suppose qu'ils sont passés par les mêmes circuits que les artistes plasticiens ou plasticiennes, donc par les beaux-arts. Après, il y a l'École des arts appliqués, qui est plus ancienne, mais que je connais vraiment mal. Il faudrait revoir donc, le travail que je citais tout à l'heure de Nadia Radouane, notamment sur les liens entre arts appliqués et beaux-arts. Alors, on a encore une autre question de Amina qui se demandait si vous avez si vous aviez des exemples de liens formels ou informels entre les différentes écoles évoquées dans notre présentation et s'il y a des traces d'échanges et d'influence autour de grands événements comme le festival en 66 à Dakar ou 77 à Lagos. Ou encore à travers des revues, voilà, si vous avez des références par rapport à ça. Aude, je te laisse la parole peut-être. Ah, j'essaie de vous faire la réponse dans ma tête. des liens formels. Je voudrais bien savoir liens formels entre les écoles évoquées. Bon, j'arrive pas à définir la question. Je pense Des que, collaborations, des partenariats. pardon? s'il y a eu des différentes typologies d'échanges et collaborations, je crois, entre, par exemple, des écoles, si j'ai bien compris, entre des écoles en Afrique de l'Ouest et, par exemple, des écoles en Égypte et ou au sein de la même région, même si c'est voilà, ça c'est aussi un produit colonial. Pour le cas de l'Égypte, je peux répondre un peu rapidement. Je pense qu'il y en a eu, je ne les connais pas particulièrement, mais je sais qu'on trouve des étudiants, des étudiantes qui arrivent d'Inde notamment, des pays non alignés, qui viennent étudier un semestre, une année en Égypte. Je connais pas les cadres. Il y a des échanges, il y a des systèmes de bourses et d'échanges dans les deux sens d'ailleurs. Il y a une étudiante de l'Institut pédagogique qui part pour une année en Inde. J'ai beaucoup de traces de voyages d'étudiantes égyptiennes vers des institutions des beaux-arts à l'étranger, donc dans des cadres de collaboration formelle et intergouvernementale même. Après, quelque chose, disons, entre deux établissements spécifiquement, je ne pense pas là à d'exemples particuliers, mais je suis sûre qu'il y en a. Bon, dans le cadre de ma recherche, les échanges, les liens ont pour la plupart eu lieu localement. Ça veut dire, par exemple, dans le cadre du Cameroun, des collectifs de Douala et de Yaoundé, il y avait des échanges qui se passaient sur l'organisation des événements locaux, comme dans le cadre du festival Squata qui a été organisé par le Cercle Kaplit. Coco et toute la Coco Communauté, toute tout le groupe d'artistes avec qui ils travaillaient. Et un groupe d'artistes dont faisait partie le Feu Godilé à Yaoundé, qui étaient plus des étudiants qui fréquentaient l'université de Yaoundé 1. Ce genre d'échanges y a eu lieu, mais je ne connais pas, à ma connaissance, je ne connais pas des échanges qui ont lieu, par exemple, entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, le Ghana. Non, à ma connaissance, je ne connais pas. Par contre, les échanges sont restés occidentaux entre des artistes allant du Cameroun pour l'extérieur et revenant former localement d'autres artistes.
Donc, c'est toujours le Ouest, Occident, Afrique. Ces échanges-là, ils sont pléthores. On peut en citer dans les différents parcours des artistes. Mais dans le cadre de l'Afrique, encore qu'aujourd'hui, c'est un problème qu'on dénote qu'il n'y a pas trop d'échanges entre les pays. Ça commence à se faire, mais avant, à ma connaissance, il n'y en a pas. Non, et à l'époque, juste pour intégrer, à l'époque, pas que, parce que, entre autres, il y avait eu, et d'ailleurs, une des dernières expositions au 18, quelque part, est trace aussi cette histoire d'échange entre le tiers-monde et le deuxième monde aussi. Donc, il y a eu, en tout cas, à partir des périodes des indépendances, beaucoup de collaborations et chemin au sein des instituts d'éducation qui s'ouvraient aussi entre ouais, toute la sphère communiste d'une part et différents pays qui gagnaient qui arrivaient à avoir l'indépendance. Et ça s'est passé à la fois pour des profils disons techniques, les ingénieurs, etc., mais aussi beaucoup pour des artistes. Et voilà, d'ailleurs, le projet qu'on a, l'avant-dernière expo qu'on a au 18, qu'on se parlait à Morin, qui retrace les parcours de cinéastes marocains, justement, entre le Maroc et la Pologne dans le cadre de ce type d'échange. Et d'ailleurs, juste comme référence en direct, pour Amina, si elle le connaît pas, elle peut peut-être trouver des réponses aussi dans un projet et publication qui avait été fait par Coolt il y a quelques années, qui s'appelle la modernité nomade, et qui justement essaie de tracer différents chemins et relations qui ont existé à travers différentes géographies et territoires, surtout à cette période. À cette période-là. Alors, j'ai eu un petit message privé de Olivia, qui est notre super assistante curator sur le forum de 154, pour nous dire qu'on doit commencer vraiment à aller vers la fin. Je voudrais inviter Aude et Nadine, si jamais vous avez une dernière réflexion à partager par rapport à peut-être le présent et le futur des espaces d'apprentissage au sein de l'art et au-delà que vous voulez partager très brièvement. Je vous laisse encore un moment la parole et avant de vraiment clôturer. Sur la situation actuelle, bon, l'école des beaux-arts du Caire existe toujours. Aujourd'hui, ils sont rattachés à la faculté de Helouan et l'Institut pédagogique pour jeunes femmes, lui, après plein de fusions, réaménagements, s'est transformé en une faculté mixte qui s'appelle la Tarbiya al-Fanniya, c'est la faculté de pédagogie artistique. Et aujourd'hui, il n'y a plus, disons, des questions de établissement colonial ou pas colonial, c'est pas ça qui se pose, mais ces lieux sont considérés, on leur reproche, enfin leurs détracteurs leur reprochent d'être un peu obsolètes, de ne pas avoir mis à jour leur mode d'enseignement et de ne pas former suffisamment bien les étudiants à s'insérer notamment dans la scène de l'art contemporain international. Donc là, on est dans une dynamique inverse, si vous voulez. C'est plutôt ce qui est regretté, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'ouverture vers l'étranger et d'outillage pour s'insérer à la scène mondialisée. Donc, c'est une dynamique qui a complètement changé. Après, il existe aussi un certain nombre d'initiatives privées, notamment je pense à Mass Alexandria qui existe à Alexandrie, qui a été fondée par l'artiste Wael Shaw et qui dispense en revanche un enseignement en anglais. Il y a aussi le CILAS, c'est The Cairo Institute of Liberal Arts and Sciences.
Il y a l'Université américaine du Caire qui a un département d'art plastique très important aussi, qui forme beaucoup d'artistes. Mais là, dans tous les exemples que j'ai cités, c'est un enseignement en anglais avec parfois des professeurs égyptiens, parfois des professeurs étrangers invités, des programmes qui peuvent questionner, parce qu'on va par exemple lire Walter Benjamin, Derrida, pourquoi, comment. Oui, voilà, c'est disons une autre problématique qui se pose, et évidemment des disparités sociales, puisque ce sont des programmes payants et assez onéreux. Ouais, je crois que je peux continuer dans ce sens en disant que moi, je pose à peu près le même regard sur les différentes formes institutionnelles de transmission de l'art aujourd'hui, mais sans pour autant dire qu'il y a bien, il y a plein de projets qui sont mis sur pied. Je peux citer par exemple l'exemple de ASICO qui a été fondé par BC Silva, qui est un très beau projet. J'espère qu'il continuera, qui avait justement cet accent à rechercher des théoriciens, des penseurs qui étaient plus axés, écrivaient sur le contexte de l'art en Afrique, la question de l'histoire de l'art en Afrique, mais tout en créant les échanges entre les différents pays sur le continent. Et le fait que c'est déjà un programme qui se baladait, pour moi, c'est une forme très intéressante de cette sédentarisation qui va loin de la salle de classe où tout le monde est enfermé, mais qui va vraiment à la rencontre d'autres milieux, un contact plus proche à d'autres contextes de l'art. Je crois que ce sont des formes qui devraient être, dont on devrait s'inspirer, des formes aussi plus homogènes qui vont loin de ce décloisonnement qu'il y a entre les différentes disciplines artistiques, mais qui soient un peu plus dans l'homogénéité. Mon point de vue. Merci. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Et en étant la dernière rencontre en dehors du film Sembene, qui on va sûrement réussir à vous partager bientôt, je voulais évidemment remercier nos intervenants d'aujourd'hui et tous les intervenants qui ont contribué sur ce forum. Je veux remercier la foire, Olivier en particulier, qui nous a aidé et suivi avec beaucoup de soin pendant tout ce temps de préparation et de présentation, de conversation. Je voudrais aussi remercier tous les auditeurs, tous les publics qui ont participé sur les différentes rencontres et qui ont contribué aussi à partager des réflexions et des références. Et je vous souhaite un bon après-midi. Je vous remercie encore. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, s'il y a quelqu'un qui nous suit depuis Marrakech, on vous donne rendez-vous au 18 dans même pas 2 heures, parce qu'il y aura une dernière rencontre dans le cadre de l'exposition Restitution Thierry du programme AWAL. Donc pour certains, c'est pas encore fini. Mais merci à tous et à toutes. Et merci Francesca. Merci.